Nous sommes ici dans le petit port de Unjo, sur la côte ouest, au nord de la Nouvelle-Calédonie. C'est ici le meilleur endroit pour y rencontrer des pêcheurs. Ici, la pêche au crabe de palétuvier, la pêche à la senne, la pêche à la mouche et même la pêche sportive font partie de l'activité essentielle de la tribu. Elle s'appelle Isabelle, spécialiste de la pêche au crabe. Elle nous emmène dans la mangrove pour nous livrer ses petits secrets. On va dans la baie là, qui rentre vers Vavuto là. On appelle là-bas Vinding, c'est le nom que les vieux de chez nous sont mis avant. Il y a Chamang, Vinding, c'est la zone de pêche depuis des générations. Ah oui, la journée elle est bonne, il y a la grande marée, elle a une 7, il y a du soleil, la météo. Et la marée basse elle est à 13h, c'est bon aussi pour toute la journée en pêche. Je prends toujours le couteau pour couper On a juste besoin d'un couteau. Et après, tous les armes, c'est dans la nature. Là, regarde, il y a un petit crabe en bas. Il est gros. Ah oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, il faut avoir le lien. Un bon crabe bien plein, il faut compter, voir 1 kilo. La maison des crabes, là, ils ont creusé à la pelle ou je sais pas. Sûr, faut éviter d'esquinter leur trou parce que ils vont jamais plus revenir. Association Djoumoulib. Djoumoulib qui veut dire la vraie vie. Comment nous, on vit en tant que pêcheurs de la tribu d'Unjo. Ces jeunes pêcheurs de Rujo, JPX, ces jeunes pêcheurs de Rujo. Association Djoumoulib. Qu'on veut valoriser et pérenniser notre pêche, préserver nos ressources et sauvegarder notre environnement, toujours garder toutes ces techniques de pêche. Ben, à marée haute, je vous ai montré tout à l'heure, c'est les grecs là, pour poser sur la carapace. À marée haute, hein, c'est tellement vif. Et dans les trous, on se sert des palétuvies. Il suffit juste de voir un crochet comme ça. Ça me permet de crocher le crabe dans le trou. Non, je pense qu'il n'est pas de taille, il est trop petit, c'est une femelle. Il vaut mieux le laisser pour reproduire encore. Et après, tu l'emprisonnes un peu, attaché. Ah oui, j'ai fait la pêche plus petite, hein. Là, j'ai 10 ans, on venait souvent à la pêche. Mon père, ma mère,
Et ben, y a beaucoup de vieux à la tribu, hein, n'avaient pas de travail avant les parents. Ben, les mamans venaient souvent à la pêche pour avoir de l'argent et pour nous nourrir aussi. C'est notre façon de vivre dans la tribu, quoi. Toute la tribu va à la pêche au crabe. Nous partons avec Éloi à la pêche à la senne. C'est un filet très différent de l'épervier. En effet, l'épervier se lance et se déploie dans un grand geste, alors que la senne se pose sur l'eau pour se déployer au fond du lagon très peu profond, pour se refermer en cercle et emprisonner du poisson, communément appelé poisson récif, comme la carangue ou le dawa. Bah, apparemment, la marée est bonne, la marée descend, donc on devrait être à temps pour le poisson. Le poisson aussi. Là, il t'a pas tapé la surface de l'eau pour faire cuire le poisson. Pour l'obliger à rentrer dans le filet. Avec les années de pêche, ben. Puis avec aussi nos pères, c'est ceux qui nous ont appris à faire la pêche. Ça a appris à étudier faire la pêche comme ça, c'est. C'est un art, quoi. Tu t'arrêtes pas d'apprendre. C'est un truc de tous les jours. C'est comme un métier. Sauf que là, t'es obligé d'assimiler beaucoup de choses parce que les différents poissons qu'il y a dans le lagon, ils réagissent pas de la même manière. Donc, c'est beaucoup de connaissances. Ils ont éteint leur moteur parce qu'ils ont, ils ont vu un bon poisson. Et le bon poisson, il est en train de partir. Oui. La méthode, elle est. Voilà, c'est pas pareil que le dawa. Le dawa, tout à l'heure, on était obligé de. Mais là, c'est pas pareil. Là, le caron, t'es obligé de fermer le filet. Parce que lui, c'est un poisson qui est malin. Et dès qu'il voit ses collègues qui sont crochés, lui, les autres, ils cherchent une sortie. Donc si tu fais comme le système a fait, non, là il y a une sortie, il y a un échappatoire. Oh, oui, mais là, tandis que si tu fermes le filet, le poisson il tourne en rond, il est obligé de. Voilà quoi, de se soumettre et de foncer dans le filet. C'est tout un art la pêche. Enfin, nous, ici, à Unjo, la vie chez nous, la pêche chez nous, c'est un art, c'est quelque chose. Parce que voilà. Et nous on a tout chez nous, on a toute la diversité de poissons qu'il y a. Comme on a le plateau, on a le récif, on a tout. Donc nous aussi on s'est adapté. Tout de suite après la pêche, le poisson sera pré-cuit et fumé pour être vendu, prêt à consommer. Ils préfèrent que le poisson soit fumé parce que la plupart des gens qui prennent le poisson, ils habitent sur nos mers. Donc ils n'ont pas tout le temps le temps de penser à tout quand ils viennent ici. Donc c'est mieux le poisson fumé parce que c'est quelque chose qui est déjà cuit, ils ont juste qu'à le manger, il n'y a pas de... Truc spécifique pour le transporter pour que ça soit prêt jusqu'à la maison, non. Le truc il est fumé, ça peut durer deux jours. Bah, la plupart de nos clients c'est les gens qui travaillent à Vuto. Ça touche un peu de tout.
que ce soit des Européens, que ce soit des Wallisiens, ben tout quoi, tout des gens de Unjo, aussi des gens de Unjo qui viennent acheter le poisson, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui... Maintenant, c'est pas tout le monde qui va à la pêche à Unjo. C'est une tribu de pêcheurs. Donc c'est normal pour nous de perpétuer ce que nos ancêtres nous ont laissé. Parce que le changement, ça se fait pas seulement du côté visuel, ça se fait aussi du côté mental, c'est aussi le comportement aussi des gens qui changent par rapport à l'environnement. Nous, on est une tribu, on est habitué à vivre en communauté. Voilà, ici, on a créé une association qui permet aux jeunes de toujours garder ce mode de vie-là, tu vois, de vivre avec l'entourage, avec notre environnement. Parce qu'on peut plus vivre à l'époque de nos ancêtres, ça c'est plus. C'est quelque chose qui est impossible à faire. On est obligé de faire avec l'évolution. Nous quittons la pêche à la Seine, mais nous restons dans la mangrove. La pêche à la mouche est ici un véritable sport qui exige finesse, souplesse et stratégie. C'est un matériel qui est léger, qui est bien adapté. On utilise des soies fines, parce que le poisson, un gros poisson, ça va être un kilo. Tu vois, là, on a plein de modèles, ah ouais, de couleurs différentes, suivant l'endroit, la luminosité, l'heure de la journée, tu vois. Le choix de la mouche est essentiel. Et cette pratique nécessite un long entraînement avant de devenir un maître dans l'art du lancer. Notre pêcheur nous montre comment il fabrique lui-même ses mouches. La pêche à la mouche, c'est la beauté des endroits qu'on pêche, hein, l'efficacité de la pêche à la mouche dans ces endroits, parce qu'on pêche dans très peu d'eau, et puis c'est surtout l'hommage à la nature, on ne fait pas de bruit, on avance doucement, on est acteur de la nature. Donc ça, c'est très important, quoi. On devient poisson avant d'avoir attrapé, pour mieux le comprendre, savoir sa nourriture, ses déplacements, l'influence des marées, les biotopes, la lune, la marée. Je veux dire, c'est complet, c'est enrichissant et c'est déroutant parce que des fois, on a beau avoir une base de données qu'on a un peu vécue, ça ne se comporte jamais de la même manière. Et c'est ce côté imprévu, je dirais, qui nous fascine. La pêche à la mouche, je la défends parce que c'est la plus belle pêche au monde. Rien qu'à voir tous les endroits réservés uniquement à cette activité, hein, sur la planète pour la pêche des migrateurs, que ce soit au fin fond de la taïga en Russie, uniquement en fly only, donc pêche à la mouche uniquement. Plein d'endroits sont réservés à ça parce qu'on est dans l'écologie. La pêche à la mouche n'abîme pas les poissons. On utilise hameçon, c'est pris dans la mâchoire, on peut relâcher son poisson. J'étais très très content et enthousiaste d'arriver dans ce merveilleux pays avec une situation géographique dans le Pacifique Sud, des eaux tropicales, avec tous des poissons recherchés, donc les fameux bonnefiches et tout le reste. Donc ça m'a permis de vivre à fond ma passion, et ça n'a pas de prix. Comme on a tous fait, avoir des bases de monteurs professionnels qui ont fait leurs preuves avec une moitié de vie passée à fabriquer des mouches, à prospecter, à attraper des poissons. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de fabriquer soi-même ces modèles avec des bases, mais incorporer des couleurs, la position des matériaux sur l'hameçon. Tout ça, c'est à l'infini, c'est propre à chaque personne, d'accord ? Moi, pour ma part, je fabrique mes propres modèles qui sont propres à moi par rapport à mon actif et passif sur tous mes voyages, tout ça. Et c'est des modèles uniques. La fabrication des mouches découle sur l'observation, suivant l'espèce qu'on va rechercher, d'accord ? Les biotopes où il vit, parce que les biotopes vont tenir toute une chaîne alimentaire. C'est-à-dire que ce sont des fonds de sable, les proies vont être claires. Donc on va utiliser des matériaux clairs et faire des mouches claires. Si c'est des fonds d'herbe, ça sera plus foncé. Si c'est corallien, c'est différent. Donc on adapte ces mouches en fonction des biotopes où vivent les poissons. C'est sur la mer, en descendant vers le sud, au large de la Foa, que nous partons avec Étienne Piquel pour une partie de pêche sportive.
On va partir à la découverte des spots de guano. Peut-être pêcher dans la mangrove, dans le lagon, à l'extérieur. Aujourd'hui, toutes les portes nous sont ouvertes parce qu'il fait beau. On est à Guano, dans la grande baie de Guano, dans la grande mangrove, avec le Brice sur notre droite et la Pointe Sauveur sur notre gauche. C'est une très très grande zone de mangrove. On a une belle fenêtre météo depuis quelques jours déjà, depuis 4-5 jours. Et puis la température de l'eau chute un petit peu parce qu'elle a été très 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 chaude avec notre grande canicule. Et les poissons redeviennent un peu plus actifs. Et aujourd'hui, le temps se prête bien pour pouvoir pêcher un petit peu toutes les zones qui me sont proposées ici. Voilà, et la phase de lune est bonne aussi. On est dans la nouvelle lune, c'est un moment où les poissons mangent beaucoup. Donc je vais préparer des petits leurres de surface pour Christelle et Pierre, avec des cannes moyennes. Donc je vous montre pour lancer, vous pêchiez devant ou derrière. Il y a juste une chose, c'est que quand vous lancez, votre leurre il doit être à l'extérieur du bateau, pour ne pas accrocher les plats bords et pour ne pas vous faire mal à l'épaule quand vous lancez. C'est surtout ça qui est important. L'index toujours, hein, le pick-up au plus haut, le fil au plus haut, vous prenez avec l'index, tournez la canne, comme je dis toujours, vers le ciel. Je recule pour que le leurre il soit bien à l'extérieur. Et on lance. Voilà, c'est parti. Vous amortissez bien l'arrivée. On va animer un peu ce leurre. Voilà. Hein. Lui, c'est le popper. Christou, tu as juste à tirer dessus pour qu'il fasse des splashes. Lui, le popper, il imite un poisson qui chasse. Et comme les prédateurs, ben, ils se chassent entre eux. Les super prédateurs, les plus grands, vont toujours chasser les plus petits. Et lui, il fait la compétition. Donc, c'est souvent lui qui se fait attaquer par le plus gros des prédateurs qu'on recherche. Le poisson il peut mordre depuis que le leurre il touche l'eau jusqu'à temps qu'on le sorte de l'eau. Alors le but à la pêche au leurre, c'est de lancer bien sûr le plus loin possible pour avoir le plus le temps d'exciter le poisson s'il se met à suivre et qu'il n'attaque pas violemment. Pierre lui il utilise un autre leurre. Il y a moins de fond maintenant, il y a 5 mètres. On est remonté sur le platier le premier platier du récif. Viens vers l'arrière, Pierre, s'il te plaît. Christelle, tu fais attention à toi. Prends ton temps, Pierre, prends ton temps. Prends ton temps, ça semble être une vieille de palétuvier. Voilà, stop, stop, stop. Voilà, tu recules doucement. Ok, tu... Doucement. T'as ouvert ton pick-up? Ouais. C'est très bien, merci, à toi. Attends. Voilà. Avec le tapis de réception. Particularité à bord, là c'est dangereux près de son œil. Je l'ai enlevé, t'as vu, je l'ai enlevé facilement parce que les hameçons ils ont pas de piquant. Là je lui mets de l'eau, on fait ça dans sa petite piscine. Parce que ce poisson, bah, on va le relâcher tout simplement. Maintenant on va prendre une petite photo rapide et puis on va relâcher ce poisson. Par en dessous, prends ton temps. L'océan Pacifique Sud offre une variété incomparable de poissons. La pêche sportive permet de découvrir les différentes espèces qui vivent dans le lagon. Cette pratique, née dans les années 50, se caractérise par le fait qu'on relâche le poisson. On pratique le catch and release, c'est qu'on prend le poisson et on le relâche. Moi, je l'ai pratiqué depuis mon plus jeune âge, mais je sais aussi manger du poisson, en garder pour manger. Essayer de savoir lesquels sont les meilleurs à prélever pour pas déstabiliser le milieu, le biotope qui nous est offert quand même. Ben, on essaye de vraiment faire attention à ça, faire attention au suivi des populations, parce qu'il est certain qu'un poisson qu'on a piqué, on peut l'endommager. On écrase les ardillons pour le décrocher vite, comme tu as pu voir. Je le mets dans une piscine, on ne le touche pas avec des mains sèches, on ne le laisse pas traîner dans le fond du bateau. Donc ce gras là qu'on appelle le mucus, ben, ça fait que ses écailles ne sont pas atteintes. Et sous les écailles, c'est la peau, c'est comme nous, et sous la peau, il y a tous les organes. Donc bah, tous ces poissons, on essaye d'en prendre soin. Il y a vraiment la notion de plaisir dans cette partie de pêche. Dans la pêche au leurre, bah, les déleurs, on va le voir tout au cours de la journée, bah, déjà on en a utilisé deux différents, un popper, un stickbait de deux couleurs. Et bah, c'est un jeu, c'est très ludique, ça permet aussi de comprendre le fonctionnement du milieu et de la chaîne alimentaire. Hey, regarde, c'est pas des...
Regarde, il y en a un tiers. Regarde, le bon carreau. Il y en a 8. Ramène. Il y en a 10 autour. Ramène et tu vas lancer. Regarde, pour lui, c'est bien. Ok Pierre, tu peux ouvrir ? C'est ouvert. Pion efficacité, c'était pas des mulets qui mangeaient. On appelle ça une carangue papou, les carangues à queue jaune. Voilà, c'est décroché rapidement. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est un magnifique poisson, joli combat. Attends. On a vu qu'il y avait toute la famille qui suivait. Donc, merci beaucoup. Allez, tourne. Voilà. Et surtout, la banque qui nous a apporté ça. Merci. Pas très joli pour les photos. Tourne ce poisson vers moi. Relève-lui la queue, baisse ta main. Ah là, que je vois ton visage, baisse un peu ce poisson. Il n'y a pas que le poisson. Et à toi. Voilà, super. Tu peux le relâcher. Allez, la tête la première, plouf. Arrivé sur les premiers spots à l'extérieur du Grand Lagon. On est vraiment dans l'océan Pacifique maintenant et on va pêcher les tombants du Grand Récif pour essayer d'attraper principalement les grandes carangues, les baoum comme on dit ici. Voilà, les carangues GT. Alors des fois le popper ne fonctionne pas, ne se fait pas attaquer, mais il a son rôle. Il fait du bruit, il fait monter les poissons. Et avec un leurre un peu comme celui de Christou, un stick bait, un leurre qui nage sous l'eau, qui représente lui plus de la nourriture concrètement, ben, c'est lui qui se fait attaquer. Ah bah attends, là elle s'énerve un peu là. Ouais, tu vas l'avoir Christelle. Oh merde. Allez continue, tu vas l'avoir. C'est bien. Ça a l'air d'être des carangues, gros yeux. Une carangue. Continue Christou. Ah, t'es bientôt sorti d'affaire, super! Sur la petite canne, continue hein! Allez, tu remontes pas plus maintenant! Voilà! Attention! Encore un petit peu, si tu peux reprendre encore un tout petit peu! Voilà, super, c'est bon! Oh, joli! Wouh! Y'en a Christou! Bon, la caméra, elle est belle cette petite carangue! Ouais! Super! On va rester là, ma soeur! Voilà! Et ben voilà, j'ai essayé de vous montrer ce que représentait la pêche sportive en milieu lagonnaire et à l'extérieur du Grand Récif calédonien. Comme on l'a vu, c'est beaucoup de sensations, un peu de panique, pas de la panique, de l'adrénaline qui monte. C'est ce qui fait quand même la particularité de cette discipline, qui font que maintenant on va rentrer en toute tranquillité au wharf. Voilà.